بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الدراسية. هذا الفيديو خاص بتلاميذ سنة ثانية متوسط، فرض مقترح مع الحل، فصل الثاني. هذا الفرض المقترح رقم 3. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. فلنبدأ على بركة الله. لو سيكس لا كولومب اي لا فورمي، اليمامة والنملة. Le long d'un clair ruisseau vivait une colombe. À la rivière Nahar, كانت تشرب يمامة. Quand sur l'eau se penchant une fourmi est tombée. كانت فوق الماء نملة سقطت فيه. Et dans cet océan l'on eut vu la fourmi. رأت النملة s'efforcer mais en vain de regagner la rive. S'efforcer, ça veut dire بذلت مجهود كبير mais en vain. وكأنها لم تفعل أي شيء. De regagner la rive. للوصول إلى الضفة. La colombe aussi aussitôt usa de charité un brin d'herbe dans l'eau par elle était jeté. رمت اليمامة بطبعها محبة للخير، رمت un brin d'herbe جزء من العشب في الماء. Ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve et là-dessus. تعلقت به لا فورمي النملة وأنقذتها من الموت. باس أن سارتان كروكون كي مارشي لي بيني. في يوم من الأيام مر صياد لي بيني بقدمين حافيتين. سو كروكون باغازار افي إن أرباليت. الأرباليت هي سلاح تاع سو كروكون. صياد يدير صوت تاع الأكل في كروكون. كروكي سافو دير صوت نقوم به أثناء الأكل. كروكون سموه لهنا صياد، هو صياد سموه أن كروكون. أن أغباليت هو سلاح الصياد. دي كيل فوا لوازو دو فينيس et le croix en son pot et déjà lui fait fête. عندما رأى اليمامة ضمن بأنه سيصطادها وبدأ يفرح. Tandis que le tuyer m'envie la joie s'apprête. La fourmi le pique au talon. عضته النملة من قدمه. Le vilain retourne la tête. أدار رأسه. La colombe l'entend par et le tire de long. سمعت اليمامة le soupir du croquant avec elle s'envole. طال غذاءه معها. Point de pigeon pour une obole. Donc لهنا في الأول النملة اليمامة أنقذت النملة وبدورها النملة جاء اليوم والنملة أرجعت خير اليمامة. Donc on va passer aux questions. Compréhension de l'écrit. لهنا لي فابل يمدهم الكومبليتير مصعب، كلمات تجد صعبة. لهنا ما تهتموش، ماشي الهدف منها، مش لازم تفهموا النص كلمة بكلمة. ديجا هادو لي فابل عندكم فكرة عليهم، على حسب واش راكم فاهمين. جاوبوا على الأسئلة. Choisis la bonne réponse. Le texte est un conte, une fable, une légende. Conte, قصة, fable. قصة خيالية. Le conte, قريته في الفصل الأول. La fable. C'est une fable رائعة. Une légende, أسطورة. Donc, ce texte, c'est une fable. Je complète le tableau. Le personnage, شخصية, la fable. Le titre, l'auteur et la source. Les personnages, la fourmi, la colombe et le chasseur. Le titre, la colombe et la fourmi.
L'auteur est Jean de La Fontaine, la source fable de Jean de La Fontaine. Réponds par vrai ou faux. La fourmi tue l'oiseau. Elle n'aime la qatalat et l'ansfor. Faux. Faux khatas. Vrai, sahih. La colombe sauve la fourmi. Vrai. Sahih. L'oiseau mange la fourmi, c'est faux. Réécris la phrase suivante en commençant par la colombe aussitôt usa de charité, les colombes aussitôt usèrent de charité. Le la par les. Vous les demandez les modifications nécessaires qui met le temps de la terminaison du verbe. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. La colombe aide la fourmi. La colombe aide la fourmi. Indique la valeur de présent de l'indicatif dans ces verbes des verbes soulignés. La colombe longtemps part et tire le long. Choisis la bonne réponse. Est-ce que c'est le présent de narration, le présent d'énonciation? Le présent de narration, معناها نستعملو le présent كي نعودو نحكيو باه المستمع راح يعيش القصة. D'énonciation, je parle maintenant, je conjugue les verbes au présent. باللي énonciation معناها هذا الفعل صرا في الحاضر. Non, c'est le présent de narration. Ijaba par longtemps et tire, c'est le présent de narration. Production écrite. Remets en ordre la fable suivante. Ratib ara'atali, tu seras châtié de ta témérité. Satu'aqab li jur'atika. Un loup survint à jeune qui chercha aventure. Ja'a dhi'b, ja'a à jeune sa'im qui chercha aventure. Yabhat an. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Men attaque هذه الجرأة wa de troubler mon breuvage. Troubler منها تعكر mon breuvage. Mais كان اللي نشرب منه un agneau se désaltéré. يشرب في الماء un agneau خروف يشرب في الماء se désaltéré. يتخلص من الظما. Et que la faim en six lieux attiré. Weljour il est had al makan. Attiré, ça veut dire jadabahu. Dit cet animal plein de rage. قال هذا الحيوان المليء بالمكر. Dans le courant d'une onde pure. Fi majra. Onde pure. Majra ma'a safi. Al-Ijaba, je choisis la bonne réponse. Ce texte est une fable. Je complète le tableau. Personnage, la colombe, la fourmi et le chasseur. Le titre, la colombe et la fourmi. L'auteur, Jean de La Fontaine. La source, fable de Jean de La Fontaine. Faux, vrai ou faux, faux, vrai, faux. Réécris la phrase suivante. En commençant par les colombes, on ajoute S du pluriel. Usa tous les usèrent parce que il avait le pronom qu'elle il sans S, le nom là, il avec S. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. La colombe aide la fourmi. Indique la valeur du présent de l'indicatif dans les verbes longtemps, par et tire. C'est le présent de narration. La production écrite, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure, un loup survint à jeune qui chercha aventure. Est-ce que la fin est la fin en six lieux attirée? Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Tu seras châtié de ta témérité.
نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء إلى فيديوهات أخرى.